Dans les locaux du palais de sport de Libreville, on peut apercevoir une dizaine de stands médicaux divisés en plusieurs spécialités. Depuis les consultations pédiatriques, en passant par la cardiologie ou encore le don de sang, toutes les spécialités sont réunies au plus grand bien des populations. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant des malades et dans le but de faire du bien aux populations, nous avons mis en place cette campagne pour pouvoir donner accès aux soins à toutes les populations et faire du bien en fait sur le plan physique, parce que c'est vrai, Jésus faisait du bien sur le plan spirituel mais également sur le plan physique. Ici, tous les patients subissent le même trajet de l'accueil jusqu'à la table du spécialiste. Pour cette foire ouverte à tous, la ISF prévoit toucher près de 2000 à 2500 personnes. Quand ils arrivent à l'entrée, on les accueille. Ils ont une salle d'attente à l'accueil. Après la salle d'attente, il y a une salle où on les enregistre parce qu'on doit connaître qui est venu et pourquoi il est venu. Et puis après, ils font les paramètres. Les paramètres se situent jusque-là. On prend les tensions, pulsations et tout ça. Et alors, à partir de là, on les dispatche dans différentes salles de consultation. Quand on trouve les pathologies, on les dirige vers les médecins. Et puis après, le médecin, il y a dans la grande salle gymnase, il y a les médicaments qui sont distribués gratuitement. Viviane, qui trouve cette initiative salutaire, n'est pas venue seule. Avec sa maman et ses enfants, ils vont tous bénéficier des soins gratuits. Depuis que je suis là, je suis satisfaite parce que je suis venue à ma maman, mon petit-fils et puis ma petite sœur. Et nous sommes déjà reçus. Maman a été reçue par le cardiologue et nous nous apprêtons à aller chez l'OPTA. Ça se passe bien. Consultation, assistance de premiers soins, dépistage et distribution de médicaments. Voilà les prestations reçues ce jour par les populations de Libreville.